Gros petit proverbe créole, grand moun yo reme utilise en pile. Si pa yon si tire, pa ka gen vole. Nous même haïtiens dans moment difficile, dans toute épreuve nous y est là, dans situation difficile pays a connait là, nous même nous ka dire clairement. Si pa gen nèg ak versa, si pa gen gang en dedans l'état, si pa gen criminel en dedans classe politique là, si pa gen gang en dedans secteur privé là, si pas de criminel en dedans société civile là, journée jodi an là, l'état fort est difficile pour qu'on paquet petit vagabond, on paquet petit délicat sa patte qui empêche nous vivre en dedans pays nous. L'état fort difficile pour nous ta jeune iso, on ti l'appli, l'état fort difficile pour journée jodi an, moun sou smat la, moun cabaret pa karit la kayo, l'état fort est difficile pour moun meilleur pas ta karit la kayo, parce que probablement vite l'homme et allié yo pas ta exister. C'est parce que gen coalition gang dans opposition politique là, c'est parce que gen coalition gang en dedans société civile là, c'est parce que gen coalition gang en dedans secteur privé là qui pas penser pays, qui pas croire dans stabilité pour pays, qui plus croire dans craser briser pour qu'il y ait pouvoir, pour prendre pouvoir, pour faire l'argent. Malheureusement, il y a quelques vidéos qui arrivent à joindre moi, que je ne peux pas partager avec nous. Mais son tristesse, c'est avec cœur déchiré, c'est avec cœur serré. Ou à regarder, j'ai un garçon qui couchait, et puis, il y a mis des manchettes sous lit, comme si c'était un viande sous table dans ma chaise, il y a coupé. Ou ap gade jeune femme tête bien en bas et puis reste col en bas. Ou ap gade jeune garçon papa petit qui couché à terre tout long et puis trou dans tête yo. À qui la faute? Qui est-ce qui responsable? Qui est-ce qui derrière tout crime ça yo ka fait dans pays yo? Bien entendu principal responsable c'est dirigeant failli nous yo, c'est dirigeant complice nous yo, c'est dirigeant ça qui pas assumer responsabilité yo. Journée jodi an la, rele premier ministre Ariel Henry, mande le compte sur insécurité a. Rele premier ministre Ariel Henry, mande le qui intention, qui objectif li pour amener la paix et sécurité en dedans pays an. Rele ministre justice li prophète Milse, mande le qui objectif li dans toute crise pays a faire face là. Yo chak yo bon objectif, yo chak yo bon objectif yo vle atteindre, yo chak yo gen feuille de route, yo gen plan pa yo. Et puis entre temps nous même bandi ap rentre la caille nous pas konn ki sen pou nou rele, nous pas konn ki sen pou nou prier, nous pas konn kote pou nou al cacher, nous pas konn kote pou nou courir. Moi même personnellement gen moun konnen ki t'ap traverse des situations difficiles la caille yo non pernier. Kote gang vite l'homme n'a frappé. Moun yo kouri ki te pernye parce que yo di bon yo gen fami l'autre côté préféré yo aller dans Mayotte, préféré yo al métivier parce que à cette époque la pote ko genye question vite l'homme a pote bourré, vite l'homme a débarqué minsimen la troublal. Eh bien journée jodi an la moun sa yo ki te kouri ki te pernye pour aller refuger en l'autre côté. Pour yon te kal chèche yon ti kal la pe, yon ti kal tranquillité, et bien même vite l'homme sa, li debake nan fief moun yo, li debake nan degwen moun yo, li debake et ceci avec plus violence, avec plus raka. Yon sa te genome yon, se bagay te chanje. Et pendant tout drame sa yo, pendant neg exam debake nan meyot, ap touye moun, ap bat moun, ap mette du feu, ap rache moun arrache, premier ministre Ariel Henry, premier ministre Ariel Henry avec plusieurs membres du gouvernement, il a participé à la clôture sommet qui a fait sous la finance en Haïti. Et c'est là Ariel Henry, il a pral tout annoncé nouvelle tactique que il pral utiliser pour le kembe pouvoir. En plus, nous a parlé de démocratie. Haïti son pays est démocrate depuis après 86, depuis après dictature du Duvalier, nous rentrons dans l'ère de la démocratie. Oui, démocratie. Oui, démocratie, son démocratie précaire, son démocratie barbochée, etc. Parce que même autorité, yo, kap kle, on est toujours une démocratie, démocratie, yo pas même connaissance démocratie.
Yo pa konnen ki quantité prérogative démocratie entraîne d'elle. Yo pa konnen ki quantité bagay ou doit courber, ou doit courber en bas, ou doit respecter l'on en démocratie. Jounen jodi an son seul bagay k'ap pale. Élection. Plus passé 21 mois depuis Ariel Henry sous tête pouvoir et dans tête pays en sous pouvoir. C'est tout à fait normal pour gagner yon président élu. C'est tout à fait normal pour yon renouveler personnel politique là à travers des élections. Mais, côté Ariel pral bon sou nous, côté Ariel pral koke nan gòj nou kounye, c'est par le fait que Ariel avec tout acolyte, Ariel avec tout bandit légal pareil yon là, non moment qui a plagé à Delante, non moment qui a fait bagay yon rapido presto, quand ranger corps pour yo ba non bouy vide là, Ariel décidé pour le mettre camper en CEP. CEP que Ariel décidé pour le mettre camper là parce que consultation yo entamé, consultation commencé fait et ACT yo pral soumettre on liste k'ap gagne 20 moun là-dedans, ACT avec pouvoir Ariel yo pral choisir 9 membres ça c'est lui-même qui pral monter CEP etc. C'est eux-mêmes qui pral gagner mission pour organiser l'élection. Mais écoute, pendant nous tendez, Ariel a fait toute ça qu'on est là, toute démarche a fait là pour monter en CEP pour faire élection. Mais cette élection, il pas fait pour CEP a fin monter. CEP a un paquet de travail pour yon ta fait, etc. Même nos choix moun kap genye pour représenter CEP, pour représenter pour vin servir dans question faire élection. Même nos choix moun yo nan moment la, différents secteurs que yo voye let ba yo pou yo voye mab yo, koken commence pété. Jan sa yé nan secteur vodouan, yo choisi yon moun, yo dou, secteur vodouan divisé, se branche tel ki choisi Newton, Saint-Just, se pa branche tel, etc. etc. Là, on est en wèl, ben yo commence pété, lobo commence pété. Ça, c'est premier phase. Mais kounye, comme Ariel Henry fait de élection, condition sine qua non pour quitter tête pays, pour quitter tête l'État, pour qu'avoir un président élu, pour qu'avoir de nouveaux dirigeants démocratiquement choisis par le peuple qui vient dans tête l'État. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire d'autant par élection, Ariel va quitter le pouvoir. Et comme nous-mêmes qui comprenons bagayyo, yon l'autre gens qui voient que climat qui vient là, c'est pas un climat propice pour faire élection. Comment pral mande citoyen lambda qui a vive peigné qui te kon al voter meyot et puis ou pral di nan tan difficile ça côté gang vite l'homme a opéré côté la vie moun pa mi nan rien dans le pays côté insécurité a taille mandat côté nèg yo c'est bagay théoricien a fait comment pral mande moun ça qui rete peigné pour monter juste meyot al voter. Donc, pas bon climat qui est adéquat, pas bon climat qui propice pour faire élection. Et dans les différents secteurs, yo, même ou même qui l'a kap gale là, ou même qui dans la diaspora qui a constaté bagay yo, nous, pas bon climat propice pour faire élection de dans le pays. Ariel li même avec Tires acolyte li yo, Ariel avec Tires bandi légal bagay li yo, comment nèg yo pral interpréter? Non, jou kap gen pour venir, l'on pral tande André Michel kap pran la, ou kap dou carrément. Mais Ariel, mais gouvernement ba élection vle faire élection kounya c'est parti politique qui peut aller à l'élection yo qui dit pas de climat propice pour élection ça on va le dire c'est ça on va le dire yo bon élection sou yo tapis sou table yo va le dire yo vle faire élection yo vle quitter tête pays mais kounya c'est nous pas vle mais on nous songe bien on nous garde réalité hein? Pendant bal t'a pété bal t'a tiré. Pendant que tout déblosa, yo nèg yo te choisi organiser élection. Yo choisi organiser élection, débloquer paquet l'argent etc. parce que climat est propice pour Ariel Henry, climat est propice pour nèg za yo qui a fait beurre yo pour nèg za yo qui senti tout avantage, tout intérêt yo c'est dans transition li. Pas de problème. Et bien c'est le même jodi an là. C'est de même par rapport avec situation en vivant, même l'entendre ces chiens qui botte viande moun, ces chiens qui botte zo moun nan kanaran, même l'entendre journée jodi an la, ça qui passe dans Mayotte, ça qui passe dans Métivier, ça qui passe dans Doko, c'est maman petite Marie Saint-Hilaire.
Nous ne pas ça pas préoccupation Ariel Henry. Nous ne pas une fois Ariel Henry, il pas même mettre un petit communiqué dehors pour t'avoir sympathie. Les voix pour t'a prendre toute disposition pressé rapide pour t'a dit bon OK et gang fin prend pays, gang prend capital pays, mais département ont commencé gâter pour y sortir. Bon on nous agit vite. Moi même donné m'a regarder Ariel, m'a tendre Ariel, moi c'est littérature qu'a fait. Moi c'est littérature qu'a fait parole pour faire mon dormir. Parole pour faire mon croire que yo ka règle un bagay, yo ka résoudre un problème et pourtant c'est maniget, c'est bluff. Bon fort en des dernières sorties Ariel Henry fait sous cause insécurité. Ou bon idée de qui ça nèg yo veut faire pays, ou bon idée de qui est qui met gang yo tout bon. On allait en attendant premier ministre Ariel Henry. C'est la responsabilité de l'État d'assurer à tous et à chacun la sécurité indispensable et une prévisibilité certaine sur l'évolution de la situation générale du pays. Sécurité pour la libre circulation sans risque des personnes et des biens, sécurité contre les agressions des gangs armés, sécurité juridique pour garantir les droits de propriété foncière. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mieux équiper et mieux former nos forces de sécurité nationale. Ce n'est pas facile, mais nous y travaillons. Il est évident que la situation actuelle ne peut pas durer indéfiniment. Nous avons des raisons d'espérer que la donne va changer. Je prendrai un truc. Bon, là, on s'attendait. Ariel, ouais, maman, est-ce que, franchement, t'es un réel fin droit? Parce que, lorsque l'autorité, lorsque le dirigeant, bon, j'en pour comporter. Ariel, li espere que bagay yo pral change. Ou pa ka espere, hein? Ou pa gen droit espere. C'est nous-mêmes qui fait partie de la population. C'est nous-mêmes comme victimes qui ka espere que l'État pral change la situation à vivre là. Est-ce qu'on comprend bagay là? C'est nous-mêmes bandi a théoriser, a traumatiser. C'est nous-mêmes bandi a marcher sous fiel, nous a marcher sous nanan nous. C'est nous-mêmes qui ont raison pour espérer que moun sa yo ki nan l'état malgré acquaintance yo gen avec gang, malgré acquaintance yo gen avec bandi, yon jou quand même bon Dieu ka rentre dans conscience et puis sortande à là, yo change fusil aux épaules et puis on stabilité, on sécurité retourner dans pays. C'est nous qui doit espérer. Ariel qui là, gouvernement ça qui là, responsabilité yo c'est porter solution avec problème. Yo pas qu'à espérer tout. Yo pas qu'à rester quoi tout. Yo là pour poser action qui ka bay solution. Donc journée jodi a l'attendre Ariel comme premier ministre, comme ministre de l'Intérieur, comme chef CSPN qui dit que yo gen raison pour yo espérer que situation ka changer, mon cher haïtien, nous mêler. Mais ça qui est plus grave là, pendant Ariel a espéré, yo même yo gon l'autre objectif. Pendant que pouvoir Ariel là dans moment là, c'est espérer yo a espéré que sécurité ka retourner dans pays, il a espéré que policiers malgré faible moyen yo gen yo ka arriver mieux et mieux préparer policiers pour faire face avec question insécurité gang bandi kap taye banda, mais yo même yo gen un objectif. Qui objectif Ariel Henry? Et là m'bra l'ouè sou tap suivre émission bien avec moi. Eh bien, bon faut attendre qui principale préoccupation Ariel Henry dans moment là qui c'est question élection. Au niveau du gouvernement, nous faisons ce qu'il faut en concertation avec le Haut Conseil de la Transition pour parvenir dans les meilleurs délais à un retour au fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et à la passation du pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est la condition sine qua non du retour vers cette stabilité et vers cette prévisibilité dont les investisseurs ont besoin pour monter leur plan d'affaires. Je vous souhaite une excellente journée de travail et j'attends les propositions qui sortiront de ces 3 jours du sommet de la finance avec impatience. Bon, là nous t'avons avec nous premier ministre Ariel Henry. Et j'aime te dire nous dans le commencement émission, condition sine qua non pour Ariel quitter tête l'état, c'est élection.
Élection, c'est ça lié à un moment là. Élection, c'est consultation, c'est au conseil de transition qui a pour choisir membre, c'est gouvernement qui a pour choisir membre, c'est un bagage qu'on s'allie. Mais pendant nous, ouais, tout focus sur élection, pendant nous, ouais, tout focus sur un moment là, c'est sous question différents mouns qui a pour choisir qui pral faire partie du conseil électoral provisoire là. Mais tout, entre temps, toute négociation ça va fait là. Pas oublier rôle international gagné dans question élection. Pas oublier rôle international gagné dans choix moun qui a bien pour participer dans conseil électoral. Parce que l'on veut ou non, que l'on veut ou non, Ariel Henry dans moment là, il toujours a travaillé de concert avec international là, il toujours a prend l'ordre dans international là, il toujours a toujours a courbé, il toujours a soumettre en bas tout ça international là dit s'il était facile oui pour Ariel rester tête baissée par rapport avec demande population, par rapport avec doléance, toute manifestation nous veut, li bouche oreille, li sou, li parole pas tendre pendant que international là lui-même si branche à gauche, si branche à droite, y'a mette note dehors, y'a mette communiqué dehors, aux manifestations faites, c'est violent, c'est violation de la moun. Mais pour qui ça Ariel là toujours? Pour qui ça Ariel là te pays en toujours? Gros manifestation faite. Depuis septembre l'école, oui, petit moun bak à l'école. Petit ou bak à l'école, pour qui ça? Parce que te gen gros mobilisation, te gen gros manifestation que t'as fait. Donc, on pral comprendre là. Même Ariel ça, c'est parce que li gen aval, li gen approbation internationale ça. Et même international ça encore, yo même encore yo montre que on groupe a moutou Ariel pas bon. Gen violation de la moun qui a fait dans le pays, un principe démocratique qui pas respecté. On l'autre groupe a poussé Ariel devant, on l'autre groupe a kembe Ariel, on l'autre groupe a fait promotion pour Ariel. C'est pas nous même qui n'a problème non. Nous venons dans un bon peuple haïtien. Et nous pral faire nous regarder une vidéo là. Pendant nous ouais pouvoir l'état, pendant nous ouais Ariel Henry dans moment là montrer que yo sensible dans ça qui vient pour avec question éducation, nous ouais ministre éducation Nesli Maniga, li tout côté c'est promotion éducation, travail réalisé à montrer diaspora, on doit la 50 yo prend sous frais transfert yo, gien gros bagaille yo réalisé avec. Li pourtant mes amis moun moi yo. Son pral regarder là pral choqué yo. C'est l'école dans le département nord-est. Ça, c'est l'école nationale Pawalie. On nous garde avec moi qui côté Timoun yo pral l'école. On nous garde sous qui ça Timoun yo pral chita comme chaise, qui ça Timoun yo pral chita et pral écrit comme tableau. Alors que nous avons un ministre de l'éducation nationale qui l'a fait promotion éducation, qui n'a tout petit trou, qui n'a tout média étranger qui a montré tout bagage bien passé. Alors que vous paquet l'école dans la section communale, vous paquet l'autre l'école dans la ville de province, mon cher, c'est parce que par n'avez pas capable de vous dire l'école qui fait vous. On nous garde ensemble. Ça, c'est l'école nationale de Pawa. Ça, c'est présentation. École nationale de Pawa, département du Nord-Est. Ça présentait état infrastructure. C'est drôle. Nous avons état là. Ça, c'est après lac sous lit. Qui chire. Mais ça c'est vieux toile déchirée qui barre l'école là. Mais après là yo, yon wel déchiré là. C'est l'école là, ça c'est comme si c'est ciel ouvert. Mais ta l'école là. Ouais, Italie, mais on ouais, vieux près là déchiré. Si mon chita là, il y a un gros la pluie qui tombe. Hier, qui se joue mardi, qui était 18, dans le mois avril là, la pluie a tombé. Toute vie pour elle a déchiré, était déjà déchiré. Ça fait si mon pas encore tout chita. Matin là, il est déjà fait 7 heures. 57 minutes, 8 heures moins 3. Élève ça, qui est en prison.
Et ça, c'est vieux toile, vieux banquier à terre, vieux banque chaviré, les morceaux banc, les chavirés. L'école ça a seulement deux petits morceaux tableau ça yo, mais qui pour toute classe yo. Hein, ça regarde là son vieux tout tableau a gagné un vieux tout qui gagne hein, quelques vieux bancs. On est capable de dire ça c'est morceau tôle quoi, un tôle yo déchiré bas à bois. L'école là gagne seulement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. L'école a gagné seulement 13 bancs. 13 bancs, si on regarde à terre là, ça sont bancs. Bon, j'entends des mises là. Comme c'est ça, il est sous le chita, il est le banc. Mais il y a 6 bagailles. Donc il y a 13 bagailles. Ça, si ramasser, on te ramasse ça. Ça sont chides. Chides là, je dis, c'est pas où le monde fait pépinier. Bon, mes amis, oh, si c'est moi qui t'ai dit, nous, peut-être nous t'ai dit, ah! Même ça parle trop, il parle trop. Même fait nous wè bagay yo. Nous fait nous wè avec Dena wè nou. Nous tendez avec deux oreilles nous. Donc là va gè menti, donc là va gè oh c'est information fabriquée, c'est intoxication etc. Pas gè bagay comme ça. Nous wè tout bagay. Ou n'y a ou même qui dans diaspora, rale ti chèz ou chita. Nous pral bal. $50 depuis sous Mateli. Passer sous privé, passer sous Jovenel, rivé sous Ariel Henry, à tout André Michel, yo après chaque jour, bon Dieu, mette sous nous-mêmes, sous transfert envoyé en Haïti, qu'on y a semandé Ariel Henry, semandé ministre d'éducation Nesmi Maniga, semandé gouverneur BRH Jean-Baptiste Dubois, mandé yo qui ça de la 50 la privé. Parce que Ariel n'a pas parlé de tout va bien. Nesmi Maniga, qui c'est ministre de l'éducation nationale, li nan tout média, quel en Haïti, quel l'autre bordelot, li nan tout sommet qu'a fait sur l'éducation, yon montre que en Haïti son éducation de qualité. Mourive sous le gouverneur BRH, Jean-Baptiste Dubois, qui sont participé là dans le sommet de la finance, li dou que en Haïti, nous pas aucun problème financier, système financier, tout va bien. Mais là, ça se garde là, que dans l'éducation, que de point de vue social, est-ce qu'on a mon bagay qui a marché? Est-ce qu'on a mon bagay qui peut aller bien là? Rien ne va en Haïti. Rien ne va. Et nous supposons alerter instance internationale, oui. Là, UNICEF supposé alerter, oui. Parce que droit si moun yo violé, oui. Droit si moun yo gen, accès gen, garantie constitutionnelle, constitution 87 amende ya bay, chaque ti moun. Ma belle termine avec une question l'école gratis côté li. Côté li, constitution bay chaque petit monde droit à l'éducation. Droit à l'éducation, l'état doit garantir l'école primaire ti moun nan. Éducation primaire là li doit garantir. Yo doit former ti moun nan depuis et à la maternelle pour faire l'école primaire. Journée jodi an là, chaque jour, nèg yo soti au plus confortable diaspora a voyer l'argent. Chaque jour payant de mettre boulet. Vite l'homme, Genel, Gepep, Izo, Sima, kate de mettre boulet payant. Depuis diaspora voye l'argent, n'est-ce pas content? Depuis diaspora voye l'argent de dans pays, yo content parce que yo wè kote yo pral foure zon, yo pral foure patio pour yo voler, pour yo détourner. Y a parlé de Fonds National Éducation qui là. L'argent qui sont c'est là pour investir dans la question éducation, dans la question l'école pour ti moun nou yo, yo nou ti moun jodi grand moun demain, c'est ti moun sa yo qui futur paysan, c'est ti moun sa yo qui avenir paysan. Kounye a, le ti moun nan li ale non l'école konsa, yo dou école nationale de para dans département nord-est paysan. Mais en nous sérieux. L'autre ti moun li fin bat un paquet route à pied dans soleil chaud. Pour la théorie l'école là. L'arrivée l'école là, li pral chita en bas on pouvait là. Li pral chita en bas on pouvait là. Au soleil dans tête li. Au soleil dans tête li, au chalet encore. Nous pouvons même prendre été pour chalet moi gagne en Haïti là, c'est bagaille tête chargée. 9h du matin on bail blou, tant que ça me baronnet. 9h du matin oui, tellement chaleur à l'intense. Et puis petit ou pral qu'on envoie petit tout l'école, c'est parce qu'on pas de moyens. Et c'est pas parce que petit ou pral dans l'école nationale pour c'est n'importe pour c'est vaille qui vaille pour c'est n'importe qui gens y a pas l'éducation.
on vieux tableau chiré, on vieux tableau met tout là dans le trouillé, on vieux prêt la déchirer mon son toi la gauche mon son toi la droite, alors que la caille premier ministre Ariel Henry dans primature deuxième résidence a payé pour nèg pour petite femme yo. L'argent perdu y a bay nèg yo, nèg yo moins pour froid, au moins pour froid pour mal yo fait payer pour mal yo fait société à là. Yo t'a dit bon OK, m'pa prendre de 3 mois, m'pa prendre pendant 6 mois, on mette l'argent ça disponible pour faire tel bagaille pour telle zone pour tel groupe moun. Yo pas faire. Scandale qui pirate là, peut-être que ça va attirer attention nous. N'a parlé de caisse assistance sociale CAS. Une institution qui là pour aider moun ki pi faible yo, moun ki nan grand goût, moun ki nan nécessité yo, moun kap mal viv yo, caisse assistance sociale. Et pourtant de patronne caisse Edwin Tonton, madame nan impliqué dans vaste scandale corruption, hier li passé près de 3-5 temps devant juge d'instruction Jean-Wilner Morin, kap questionnel, kap auditionnel, kap passé question sous madame nan pour yo connait pour arriver détecter niveau implication la corruption qui éclaté en dedans CAS. Rendez-vous 25 avril pour venir là pour retarder l'encore. Comptable qui travaille dans CAS li en bas code. Et ça qui est grave là. Dans le scandale corruption, ça, Gerozni la petit frère dans la cité là dedans. Comme maman corruption. Comme maman corruption. Et CAS a tellement de l'argent qui brasse là dedans, mes amis Mounio. C'est pas si causé. Bon, là, je vais quitter nous. Mais avant d'aller. Et dans ce qui concerne avec vidéo, je t'ai parlé dans commencement vidéo a. Côté que nèg canarin yo ken bon jeune garçon, il y a fun jeune garçon, il y a découpé le bout pa kan pa, pa ta di c'est viande qui sous table dans marché. Nous konn al marché, nous konn wè comment y a coupé cabrit, comment y a coupé bœuf, comment y a coupé cochon, comment y a chaké viande yo. Eh bien, c'est comme ça un jeune garçon haïtien pareil nous, on frère nous, on compatriote pareil nous. Haïtien pareil, il y a chakel. Haïtien pareil, il y a coupel. Et puis, bon, l'autre vidéo pour un chien qui a bataille, chien qui a botté zo moun, allez avec yo. Chien qui a botté viande moun, allez avec yo. Je dis moun yo que vidéo, moi, je ne vais pas regarder vidéo. Je filme regarder vidéo, commence à regarder vidéo. Je trouve le téléphone dans le côté parce que moi-même, je ne vais pas regarder bagaille ça. Les amis qui disent, voyez-le pour yo. Je tout dis ça. Vidéo à choquant par responsable choc ou bral. Vous savez que vous mettez vous le madame Yannick, vous dites bon ok, vous voyez le bal. De toi avertil, en vérité, monsieur a dit tension le monter. Il dit tension le monter parce que li pat atteni avec tout choc ça. Malgré m'te dit l'après choc, li pat atteni avec niveau choc là. Et mes amis de grâce, vous connaissez Thomas, nous y a pas mal de vidéo, c'est pas responsable ni tension, ni sucre, ni cholestérol, ni sel, pas responsable rien. Et bon, quittez nous là avec ancien premier ministre Evans Paul Capé, qui lui-même c'est un acteur dans crise politique pays, c'est un monde qui passe en dedans pouvoir l'État. Et nèg ka fè politique avec il est et c'est caméléon yo yo a imposition yo tout plim mai donc et Capé Evans Paul c'est un nan moun que République Dominicaine sanctionné yo et li gen position parle non seulement avec question sanction République Dominicaine nan causé élection Ariel Henry avec problème insécurité a mais invitez nous pour nous tendre avec moi pour nous tendre ensemble comment Evans Paul t'a répondre question journaliste Magic 9 yo Matin là. Bon, je suis seulement saisi ouais ça. Je pas qu'on aime aucun contentieux en République dominicaine, pas qu'on aime aucun casier judiciaire en Haïti, pas qu'on est tout en croit que nous sommes une menace internationale, donc une menace pour la République dominicaine. Bah ouais, qui ça me fait, qui ça m'apprend qui t'a représenté ça. Pas gagné aucune activité. Et en République dominicaine, pas dans business en République dominicaine, pas gain bien en République dominicaine, moins pas voyager en République dominicaine. Alors c'est un bagage que je ne pas comprendre. Bon, normalement et comme moi dans politique et puis depuis quelque temps, gain le cap fait de temps en temps, on ca comprendre lui fait partie de stratégie internationale, faire liste de temps en temps, faire diversion sous véritable problème, non? Mais faire liste là, c'est pas ça qui est grave. C'est que faire liste là, sans aucune élégance, sans informer le monde, vous mettez sous liste là, mon cher,
nous avons un problème avec vous, mais qui problème lié. Sans y pas communiquer à l'État pays d'Haïti, parce que si il y a des citoyens haïtiens qui ont bagay, qui font l'autre l'État, qui ont mis pays ça après empêcher d'entrer dans le pays, yo, eh bien, me pense que yo ta au moins même pas élégant l'État ça, mais qui dossier nous gagne sur le monde ça, yo. Alors jusqu'à présent, c'est l'opacité totale. Et ni moun qui concerne qui sous l'isla, ni gouvernement haïtien, l'État haïtien selon autorité, yo, et pas gagne aucune information sur qui raison qui t'a justifié yo prendre décision ça. Dans tout pays qui a pris décision, il y a trois pays, c'est les États-Unis, le Canada. Et la République dominicaine, pas pris sanction, mais il dit qu'on ne va pas venir dans le pays. Bon, c'est doit aller. C'est non seul cas. Parmi plusieurs mondes, ils ont mis sous liste sanctionné. Son seul cas, ils ont été quelques raisons. Les États-Unis ont été pour un cas. Après ça, c'est seulement mon nom sous liste là. Et puis chaque monde pense ça est ouvert, malheureusement. Globalement, ce que vous pensez de sanctions? Bon, je pense que c'est diversion. Je ne sais pas où est l'efficacité, je ne sais pas où est qui ça le bail. Parce que les sanctions. L'idée mener à solution à véritable problème là. Si c'était fait dans transparence, si dit tel monde mais qui ça reproché, mais qui ça le fait, mais qui évidence nous gagne. Je dis à au nom de la technologie, qu'on bonne bagaille qui possible. Si un monde par exemple, il y a des communications, yo intercepté communication hein, ou bien il gagne des transactions, il fait. Parce que le pas fait en cachette, même si c'est service secret qui gagne information, eh bien, information, ça, faut le servir. D'ailleurs, même pour protéger l'autre monde, même pour dissuader l'autre monde pas faire ça, il est bon pour associer la presse, l'opinion publique, et à qui ça y reprocher mon yo, pour le pas sembler que c'est on démarche politique facile. Ça, moi, les politiques faciles, là, étant donné que, nous fort en Haïti, nous j'ai doit tout monde n'importe qui bagaille nous pas connaître nous pas comprendre et puis nous fait buzz et puis au même yo bien content yo rentrer dans même politique ça tout au véritable problème là son problème de gang et cap simé la terre mais gang nan gon outil principal qui est les armes qui est les munitions et armes avec munitions hein, il pas gain l'autre côté le sorti que dans pays étranger. Et deux pays côté Zamak munition qui a sorti pour entrer en Haïti, c'est les États-Unis. D'ailleurs, un rapport qui était sorti non organe des Nations Unies qui était expliqué filière côté grand pile Zam qui sorti aux États-Unis qui entré en Haïti. Il y a actuellement un dossier qui devant tribunal côté grand l'église qui gagne Zam qui ont fait entrer aux États-Unis qui sorti. Gagnent nous-mêmes nos relations avec la République dominicaine, ces pays nous gagnent relations plus privilégiées avec lui du point de vue de communication, nous gagnent 1771 km de frontière, nous gagnent frontière maritime avec lui, nous gagnent frontière aérienne, et bien pas gagnent aucune coopération, rien qui fait qu'il a dit bon, si vous bloquez pour vous entrer dans le pays, c'est-à-dire que les armes pas rentrer, les munitions pas rentrer, je pense que bandi yo a bien efficace. Ou bien si gen des moun qui implique qui n'en fait armes entrer, que mette bagaille là sur la place publique, que font tribunal et m'pa konnen spécial comme justice Haïti a faible, mais pas en créant suspicion générale pour tout moun mélange ensemble. Et puis c'est bagaille politique après que gen ba mais contente déjà, m'contente que yo vle changer classe politique etc. Alors moi même c'est ça que fait. Je n'ai pas intervenu facilement, parce que je n'ai pas de parole ça souvent, moi je n'ai pas aimé la classe politique la changer, parce que la société est dynamique, ça fait me parler moins, pour me tendre l'autre monde qui a parlé, l'autre monde qui a émergé, le pays, c'est un pays dynamique, pas un monde qui l'a vu. Même si vous avez l'air bâtiment, on ne voit pas mourir. Alors, mais la société est dynamique, son bagage intergénérationnel, et puis maintenant, cette démarche qui consiste à ce que vous mettez le monde sous l'histoire, parce que vous avez besoin d'éliminer sous scène politique, et ou bien pour l'autre bagaille peut-être non mon numéro était sous liste yo ka gen ba yo fait vrai pas gen aucun pas gen tout document mais amalgame qui fait mélanger tout bagaille ensemble là me pense que son forme de diversion pas ouais efficacité et comme depuis de la fête là il pas porté aucun résultat dans ça
peuple haïtien qui est victime d'insécurité a subi. Maintenant, il y a des gens qui nous tendent qui disent qui battent bravo la contentement par rapport à sanctions américaines, sanctions canadiennes et interdiction de territoire à 39 nationalités, à 39 ressortissants haïtiens et dont des personnalités politiques et très, très connues. Et il y a des gens qui content, qui dit que le pays a gangrené, c'est politiciens, c'est mon business qui mettait les âmes dans le meilleur, ils battent bravo la contentement. Mais maintenant, ou même, on dit que c'est une diversion et réaction à mon qui content et diversion ça quelle serait sa finalité et selon analyse ou on se pose bon pas gagner pour me battre bravo mon qui content parce que en général c'est comme ça nous hier dit que nous battre bravo pour ça ne pas comprendre nous battre bravo pour ça ne comprendre et puis en général nous content les bonnes fâchés nous fâchés les bonnes content alors pas gagner et c'est ça qui mettait dans sa nuit là nous avons grave crise n'a vivre et nous pas approfondir, poser des questions, chercher qu'on est, qui s'est mettez nos côtés ni là, parce que c'est un bagage extrêmement grave, et qui a passé depuis très longtemps dans le pays. Alors maintenant, je pense qu'on crise, je pense que si on crise de société, eh bien, il y a des gens qui ont une responsabilité directe ou indirecte là-dedans. Mais la question pour nous poser, pour qui ça, pour un pays, une société, avec tout le monde là-dedans qui n'est pas bon, tout le monde politique pas bon, tout le monde d'affaires pas bon. Mais on sait au côté de sortir, c'est dans le pays, c'est dans la société, avec les machines sociétaires qui produisent du mauvais monde. C'est comme ça qu'on t'a posé question. Bon, maintenant qu'on y a cette société-là qui est malade dans tout le col, parce que maintenant, dans quel secteur, on dit, bon, on doit être sous le monde qui a fait politique, le monde qui est dans le business, sous la presse, sous l'église. Il y a des fois à tort, il y a des fois à raison. Mais gon amalgame total tout pour nous c'est même pas quoi c'est vrai on pensait que dans tout côté gain mauvais monde et dans tout côté tout gain bon monde l'en fait amalgame dans comme ça nous pas essayer jouer une solution maintenant ça moi les diversions diversion c'est là que gain un problème réel yo ta mando par exemple ba un coup de main pour résoudre et pour pas résoudre pour prendre pause ou à fond bagaille puis soit faire ali pas gagner rapport avec véritable problème là par exemple gagne une humiliation que l'État haïtien victime, à savoir dans les coulisses, il a poussé l'État haïtien à faire une demande pour une balle en coup de main. Il a fait, parce que cette bagaille conseil des ministres qui était fait en octobre, côté que t'es mandé pour, communauté internationale une balle en coup de main. Bon, on connaît, c'était mon international qui demandait le gouvernement. Sous fond de mandat pour répondre au mandat Nabaou. Et puis maintenant, mais au mandat, au baba, il n'y a pas occupé, il n'y a pas occupé personne, etc. Malgré les gens qui ont des accords, c'est une démarche lourde de conséquences sur le plan historique, sur le plan politique. Porter un gouvernement fait ça, et son bagage grave, et malgré l'offre de fini fait et pour passer les, en dérision, ils font série de cités, bagaille, similaque, avion passant, l'air, bateau, bagaille comme ça. Et puis tout ça met une sorte de confusion. Et puis maintenant, diversion, ça m'a dit diversion, ou fait bagaille qui pour attirer l'attention, non? Sous détail, et puis véritable problème, non pas mal. C'est ça m'a dit diversion. Ok. Maintenant, Monsieur Paul, est-ce que vous avez un visa américain canadien? Est-ce que vous avez des biens et des intérêts aux États-Unis ou au Canada? Je n'ai pas aucun bien dans aucun pays. Je n'ai pas de poule, je n'ai pas de zone dans aucun pays. Un visa, c'est demander pour demander pour gagner. Je n'ai pas de visa dans aucun pays. Je n'ai pas de déplacer facile. C'est citoyen haïtien. Je n'ai pas un monde qui vit à l'étranger. Et son choix me fait depuis longtemps, depuis mes jeunes garçons. Il y a plus de monde qui vont dire que je suis vivant en exil. Je n'ai jamais vécu en exil. Moi, j'étais vu caché dans le pays. Même là, j'étais un gros problème. J'étais mis tête à prix. J'étais choisi de rester dans le pays. J'ai fait 6 ans caché dans le pays. Le pas d'un trait. Ça me fait sous Duvalier. Ça me fait pendant coup d'État, etc. Et là, en 1991, j'étais magistrat à Port-au-Prince. J'étais battement à l'aéroport à Port-au-Prince, etc. J'étais membre d'une association francophone de maires, etc. Pays par les Français, eh bien, à ce moment-là, c'était M. Chirac qui était le président de cette association, qui était maire de Paris. Les moins bagailles, la brouille, ils ont avion, ambulance, ils viennent chercher pour mal prendre soin à l'étranger.
m'étais refusé, m'étais resté dans le pays, malgré m'étais très blessé, très malade, etc. M'étais pas un monde qui voulait vivre dans le pays étranger, et ceci depuis le très jeune garçon, m'sorti dans famille modeste, première fois m'voyager, m'aller aux États-Unis, m'étais gagné 23 ans, famille m'étais fâché avec moi parce que m'pas traité. Alors, m'pas choisi vivre dans le pays étranger, c'est un choix, c'est choix pas moi fait, m'pas gagné ni bien, ni cob, ni aucune activité dans le pays, dans aucun pays étranger. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, si tu as sollicité un visa canadien ou américain, il n'y aurait aucune raison de ne pas vous l'accorder? M'pas connaît comme fait connaît. L'homme a un visa, il y a un visa, mais comme pas m'en visa. Okay. Si m'pas m'en visa, m'pas qu'à prédire. Okay. Si m'pas si m'en demande une interview, soit bon, ok, va pas être. Ouais. Pas ça, m'pas qu'à commenter ça. Ok, maintenant, PM, il y a des gens qui dit, et il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui rapportaient, il y a des témoignages, donc on entendait des bandits eux-mêmes qui ont dit que c'est tel politicien qui a eu telle âme dans le moment où il a fait telle élection. Et il y a des gens qui dit que nous pas t'a arriver là gens nous effondrer là sans une certaine responsabilité des élites politiques qui dirigent le pays, des éléments pardon de l'élite politique qui dirige le pays et des éléments de l'élite économique qui est chevillé avec des bandits, des activités criminelles. Globalement, ceux qui souffrent de cette réalité, ils en veulent à ceux qui ont été en position de responsabilité, ils en veulent aussi à ceux qui ont accumulé un certain niveau de richesse et presque au dépens du bien-être de la collectivité et qu'on espèce de joie on bagaille jouissif le ouais ou même y a sanctionné et est-ce qu'on comprenne et parti ça et interpellation ça et critique ça et détachement ça tout de monde qui a envie monde ça du secteur politique et des affaires souffrir tout ou comprenne ça ou pas? Bon, non, normalement, ou pas capable de faire plongailler. Chaque monde responsable de Zach, yo. Mm. Ou pas capable de faire l'autre monde responsable de Zach, l'autre monde. Si y a un monde qui a un bagaille, il fait. Que yo prend des mesures contre le monde qui fait là. Moi, pas capable de faire un amalgame pour dire tout le monde, c'est même. Moi-même, je ne sais pas marcher, pardon. Excusez-moi, par exemple, des procès. Zach, yo fait pour nous impunité, c'est plus gros problème dans tout. Eh bien, d'accord, gros problème de société, gros problème de l'État, gros problème de justice. Et maintenant qu'on y a tout bagarre réglé sur la place publique, chaque monde croit ça y ouvre. Et puis tout le monde, c'est très facile pour faire amalgame, pour dire c'est le monde qui fait politique, etc. Mais il y a plusieurs qualités de monde qui fait politique. Même j'en ai tout le monde qui fait la presse. Les journalistes, je dis c'est machin de micro. Je ne sais pas quoi, tout journaliste, c'est machin de micro. Ça veut dire que son suspicion générale qui est dans la société. Qu'on y a ça qui peut le passer, qu'on y a. Comme tout le monde qui est dans la politique pas bon, tout le monde qui est dans les affaires pas bon, et mais pas de monde qui fait politique dans le pays encore, pas de monde qui fait affaire dans le pays. Et puis, étranger a pu le faire, il a pu tout le pays colonisé. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Dans toute société, dans tout secteur, toujours un monde qui fait dérive. Dans tout le problème qui gagne dans le pays d'Haïti, et me dit plusieurs fois dans ce qui est capable de parler, c'est fonctionnement société. Il faut qu'il y ait justice dans le pays. L'un dit justice là, c'est dans tout sens. Justice, l'on moun font bagay pour yon punir, ni justice tout pour moun pas accuser moun à tort. Si on moun font bagay, li paye pour li, mais s'il pas font bagay tout, ou pas capable suspect li, l'on j'ai doué sous li, bagay, etc. Et puis, bah, yon menti sous li, c'est deux bagay. C'est deux gens pour nous, laisse à nous créer une société. Je dis à, pour moun paraît tête li, je dis à, pour faire politique, de folk en pile courage. Pour moun paraît tête li, pour le faire, bah, qu'on est, pour le faire business dans le pays, il faut gagner en pile, courage, parce que d'ailleurs, ça cap mené, pour bon, faut pas bon. Pour bon, c'est soit ou dans misère, c'est soit ou pas parler du tout, c'est soit pas dans rien, et pour son bon monde, puisque pas qu'on est, mais des bons bagages, ou à faire. Que vous êtes journaliste, que vous êtes intellectuel, que vous êtes businessman, et mais qu'on tendance pour qu'on suspicion généralisée, sur tout le monde qui devant c'est non. Moi-même, étant de ça, je comprends ça. Ça fait personnellement, mais c'est adopter une attitude de recul parce que moi, je voulais un nouveau monde émerger. Mais comment analyser l'histoire du pays? Moi, ça a passé à là depuis 1806.
comprendre normalement nous on l'obé entre nous comprendre contradiction entre nous comprendre bagaille yon fait l'autre etc qui mettait nous côté ni mais si nous pas analyser pour nous comprendre et puis nous tomber dans politique facile non longer droit sur tout le monde capable des monde vraiment qui fait des bagailles qui pas bon et bien que régler cause avec monde qui fait qui pas bon mais gen monde tout fait respect yo gen monde qui fait respect yo même pas qu'on aime non quelle combinaison ni pas qu'on aime dans corruption pas qu'on aime déjà me faire rien pas bon dans tout temps de faire sous quoi me tout qu'on aime son monde qui mettait mon service dans libre démocratique depuis des années qui souffre pour lui et puis c'est ça qui vit moi bon maintenant si on veut jouer non bagaille c'est pour venir avec des précisions concernant Evans Paul ou pas faire Evans Paul pour tes causes l'autre monde qui fait bagaille qui pas bon me penser que même j'en nous-même dans nos corporations journalistiques là des journalistes qui reprochent des bagailles à tort gain reprochent des bagailles à raison parce que c'est journaliste et vous pas responsable cause tout ça l'autre journaliste fait pas bon alors c'est ça qui pas bon nous pas faire la part des choses et pour ça nous besoin justice là punir monde qui fait bagaille qui pas bon et puis respecter monde tout qui correct ou bien suspendre vie dépend des monde pour grand merci. Maintenant, nous allons vous poser la parole dans une minute, mais avant, PM, dans nos situations sécuritaires extrêmement terribles, hier, bon, nous vivons l'autre journée terrible et attaque dans plusieurs communautés, encore une fois, Thomasin, Mayotte, Balaptiré, Woodfrère, et Cabaret, Sous-Matla, Canaan, et l'île 59, et n'appelle pas salut de la poupée, l'entourne, m'en vivre avec vous, et comment comprenne bagay ça? Et cap passer là, et demande d'assistance, et qui pas qu'à matérialiser, difficulté nous même nous gagnons pour nous, et gagnons propre moyen nous pour nous assurer et sécurité. Nous n'appelle pas salut. Et oui, difficulté de gagner oui. Par rapport à comment propre moyen pour nous qui gagnons, difficulté pour arriver. Qui analyse ça, et Paul? Bon, moi, j'ai un bagage principal que j'aime. Pas tellement préoccupé de d'étrangers qui pas venir aider nous. Parce que l'homme m'a dit, il y a un cabarou, il y a un cabarou, et puis il y a une combien de fois déjà, bagala compliqué. Il y a même tout, il y a une certaine implication dans ce qui a passé dans le pays. Ce n'est pas étranger qui est responsable du pays. Mais que ce soit implication yo dans fait police nationale non bonne mission qui finit en Haïti depuis des années bon on pas parler de bagaille historique intervention américaine bagaille 1915 etc ça fait plus d'un siècle mais récemment on est capable de dire depuis 1992 Haïti sans seconde relation on est capable de serrer avec la communauté internationale à travers l'OE, à travers l'ONU, à travers les États-Unis, à travers le Canada. Et tout le monde fourre bouche dans le pays d'Haïti, paquet de missions, etc. Et puis, il y a la vie dégradée. C'est sûr que, les plus forts ont toujours une raison, et c'est la fontaine qui a la raison du plus fort et toujours la meilleure. Bon, ces pays, pas nous, c'est nous-mêmes qui peut toujours paraître comme un principal responsable. Et comme de fait, nous sommes le principal responsable parce que la situation n'a pas de dégrader juste dans le progrès étranger qui a pu l'aider, juste pour y'a gagné, on part dans le bilan négatif qui gagne. Maintenant qu'on y a préoccupation, hein, c'est que bon bagay qui a dégradé, moun nos abois, insécurité, moun pas qu'à circuler, bandit a touché, moun pas capable de dire, faire moun pays, droit de passage, pour aller dans le sud, pour aller dans le nord, etc. C'est absence d'un plan haïtien, c'est-à-dire gon problème haïtien, c'est vrai l'état faible, mais gon gouvernement qui l'a quand même. Et mon problème c'est que nous pas senti gon plan d'action. Et un plan qui t'a associé peuple là dans bataille contre insécurité. Moi même si gon bagaille qui gêne, c'est ça bon d'ailleurs d'accord plutôt gon mauvais plan qu'on pas gain plan du tout. Alors, je dis à un peu, on a posé cette question, ça a passé, parce que j'ai pas senti gagner, on a capable de dire un effort national. Moi-même, moi comprendre que l'État faible, moi comprendre que pas un support international, moi comprendre tout. En même temps, nous avons un problème d'insécurité, en même temps, nous demandons de venir aider ou pas venir aider nous, en même temps, tout.
yo pa vle nous organiser nous nous bon noyau là mais là bon c'est yo écraser lui en même temps yo pa vle reprendre pied encore et yo pa vle gen moyen yo pa vle gen zam gen un bande de contraintes un bande de bâtons à mettre dans nous ni tout nous pa prend aucune décision à tête nous mais nous pa ka prendre décision à tête nous tout parce que yo n'a écraser l'autre je dis ou un phénomène depuis des années son paquet de gouvernement contesté pas un gouvernement qui pas contesté dès pour arriver sous pouvoir et contesté bon le gouvernement contesté le faible il pas gain aucune autorité pour camper tête à blanc parce que même citoyen la caille a contesté sous un haïtien un ministre affaires étrangères un président un ministre des Nations Unies ou un groupe haïtien qui a manifesté contre lui ça veut dire ça affaiblit ça pas bal capacité pour négocier or gain des fois c'est pays qui t'a fait bloc, qui t'a dit, mais côté nous voulons aller. Or, la réalité, c'est que les étrangers décident de tout et ils ne pas responsables en rien. Et nous-mêmes, tout, nous pas font minimum d'efforts national pour nous dire, nous avons transcendé quelques problèmes pour nous entendre sur ça qui est essentiel. Ça qui est essentiel, c'est défendre la vie moun dans le pays, la vie tout le monde, bien moun. Eh bien, là que on état ou pas qu'à faire ça ou tomber en état paria permettez-moi situation monsieur Henri Jodia avec les contraintes que l'on connaît avec la réalité que l'on connaît et ça t'a fait quelle situation hein Sinta avec oui sous ta la place monsieur Henri avec la réalité dans laquelle il est aujourd'hui les contraintes tout ça gagne ça t'a fait au même. Alors normalement m'pas capable faire commentaire parce que chaque situation pas même c'est même genre football chaque match son match chaque monde son monde moi-même moi t'as privilégié en connexion avec population parce que ou pas capable résoudre un problème d'un pays qui est aussi grave sans connexion avec peuple là ou sans si manquer connexion manquer information manquer implication manquer ralliement, manquer consigne qu'a joué une population, parce que le problème concerne la population haïtienne. Et si gros problème, c'est ça, parce que le gros problème, nous-mêmes qui grandissons en Haïti, comme on a changé, qu'on y a, l'eau dehors, et bah, qu'on est sous, sinon qu'on a l'an dehors, bon réel qui pétait, et ben, c'est tout le monde qui rassemblait, vient pour te coller, parce que depuis réel pété, il y a un bagage qui passait là, il y a un dépassé, soit grand monde qui tombait, au besoin d'aller à l'hôpital, c'est son pote qui au métal, laisse à la famille, qui concerné à pas capable pour contrôler soit son monde qui mourit et mais tout le monde côté collé voisinage etc. Si gouvernement gagne des difficultés que le dit peuple là clairement mais qui problème ni gagne mais ça le tarin mais fait mais qui contrainte le sous plan international mais côté le besoin aide monde c'est-à-dire que gagne opacité sur le plan international gagne opacité tout sur le plan national il y a pas de connexion entre eux, ce qui existe comme gouvernement et respecter alors gain problème nous capable penser gain problème ou ben nous connaît gain problème pas capable gain problème l'état démantibilé mais si l'état là un minimum de effort qui fait puis gros problème non c'est que pas gain secours ni recours c'est ça qui plus grave au plan politique il y a et par exemple et groupe 8 et 11 un groupe de 8 partis politiques et concertation du 13 janvier, si ma mémoire est bonne, qui eux même dans le dernier communiqué urbain public là, ils sont clairs pour eux et leur compréhension, c'est que la situation sécuritaire l'a dégradée et monde qui est en position d'autorité qui est dégradé parce qu'ils en profitent et veulent rester au pouvoir parce que dégradation de sécurité veut dire impossibilité des élections, donc plus de temps au pouvoir. Et il y a d'autres politiques, par exemple, M. Cheramine, qui a reçu ici récemment, qui estimait que c'est PHT 4e version, c'est une stratégie mafieuse de contrôle des quartiers pour se rééditer au pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas rendre compte au dossier Petro-Caribé parce que il y a gagné d'autres sujets de préoccupation. Soit passer par rapport à la lecture ça monsieur Paul, est-ce que il y a un fond de vérité et est-ce que compréhension ça facilite sur table dia là en termes de tête ensemble sur ce minimum là entre les haïtiens pour essayer de trouver des solutions comment on comprend ça. Bon, moi, c'est la réflexion facile. Et comment on t'a fait arrêter et puis pour me dire que je ne vais pas dormir la caille, mais c'est tout le monde la caille, je vais faire des autres, je vais faire des bruits, je vais faire des télévisions ouvertes et puis je ne vais pas avoir aucune réaction. C'est-à-dire que
côté la société, à côté le peuple, c'est facile pour dire son monde, parce que je pense que pendant le président Jovenel, peut-être tel de tout nom, mais pas le gain de 2 ans depuis le monde, il a péré. Bon, bagaille, il continue. Parce que nous avons une crise, nous avons une crise qui est extrêmement grave. C'est vrai qu'il y a des partis politiques qui prennent position, mais maintenant, non. Pas capable de dire non, équation de faiblesse. C'est comme ça pour nous dire. Tout le monde faible. C'est-à-dire que tout le monde, ça a gagné seulement, c'est loi à bouche. Et loi à bouche, là, pour faire mal utiliser, il mettait confusion. Et c'est dans ça lié. Parce que là, on a parlé de crise politique pays d'Haïti. Au bon gouvernement qui l'a, il n'y a pas une base, pas capable de dire légitime. Bon, il n'y a pas de lettres pour le parler encore. Pas même un calendrier fiable. Ma première exemple simple, l'accord du 21 décembre censé après JPIA, il dit que le 7 février 2024, il y a passé quoi de monde qui l'a eu à des élus. Bon, moi-même, m'a dit que nous sommes en avril, et il n'y a aucun moyen entre maintenant et 7 février 2024 pour qu'il n'y ait aucune élection faite dans le pays pour passer pouvoir par les gens qui sont élus. Et je ne peux pas parler seulement parce que gain problème de sécurité, donc même si pas de gain problème de sécurité, c'est impossible parce que gagne tout un calendrier, il y a des délais incompressibles pour faire élection, ça c'est un aspect, mais c'est pas seulement une élection pour nous faire pour nous mettre président, sénateur, etc. Nous gagne tout pour nous un problème constitution, parce que si nous pas résoudre le problème constitution en confusion pire, on pose une question fondamentale, nous songer. T'es un gros tollé que t'es fait tes 10 mandats président Jovenel Moïse, t'es fini 7 février 2021. Ça voulait dire que, sous même base, je t'ai dit mandat président Jovenel Moïse, t'es commencé un an avant de monter sous pouvoir, bien, monde qui va aller dire, si c'est sous même constitution, ça, dit que t'as perdu 2 ans de mandat. Parce que mandat a commencé 7 février 2021. Est-ce que nous sommes capables de gérer un pays comme ça? Si nous avons des confusions comme ça, si nous pas résolu à la base, et puis, n'a traîné crise sous crise, n'a mis des confusions, contradictions, pas prendre aucun côté. C'est-à-dire, le problème de la Constitution, pour nous résoudre, et pour nous résoudre, ça prend un temps. Le temps, par exemple, pour ta fond référendum, n'a qu'il y a bien soit fait. Bon, me retirer à faire sécurité. C'est-à-dire, si bon, n'a fond référendum, ça prend un temps, parce que le référendum, c'est une élection nationale, mécanisme pour faire là, bon, au moins 6 mois. Ça, comme dit 6 mois, parce que les mêmes ils sont élections qui va y avoir une contradiction là-dedans, c'est que si on va le poser oui ou non. Maintenant, l'autre a fini fait référendum, ça. Admettons qu'on adopte une nouvelle constitution. Mais faut appréhender, faut approprier, faut qu'on connaît, il faut faire campagne sous lui. Et c'est à partir de cette nouvelle constitution pour aller faire une loi électorale. Parce que, il y a un bagage qui a changé, si on change, par exemple, si on pouvait aller sur la TV. Un bicaméral, il va l'unicaméral, ou bien nous va changer longueur mandat moun, ou bien après tirer poste premier ministre. Par contre, si n'a pas le fait tout ça, les gon réformes qui va le faire et au pas senti bon agenda, bon calendrier clair que nous sommes dans une impasse, mais comment n'a sorti là-dedans? C'est-à-dire que sur le plan, ou bien trois bagages majeurs, ou bien aspect sécuritaire là qui paralyse le pays, qui c'est la priorité des priorités. Mon gagne la problématique politique tout, c'est la confusion totale. Et aucun yen, maman pe mba question, qui c'est la question économique. Automatiquement, moun pa ka manje, ou gen 49% moun nan pays qui nan crise alimentaire, la vie chère, etc. A yon dit, vous son société kabouet de l'eau, et à ce moment-là, personne ne va respecter ou. Et comme nous te commencé interview à son question, soit faire relations internationales, sanctions, etc. Ça pour moun comprendre, comme gen pile moun kapitan de magie qui font l'école, nous fait. Relations internationales, chita sous 2 bagailles. Sous la force avec prestige, ça dit que sous gain force ou en bagage pour force à prestige qui monde qui dans conseil permanent qui dans de qui monde qui fait partie de conseil permanent dans Nations Unies, c'est gros pays qui gagne gros âme, gros pays qui gagne l'argent, c'est pas pays pauvre qui l'a donné, qui fait gain 2 bagages sous pas gain force. Faut gain prestige, pour gain prestige là, faut unir la caille. Parce que les relations internationales, elles régissent par 3 bagailles. Premièrement, la force. Et deuxièmement, l'hypocrisie. Et troisièmement, un minimum de règles. Alors maintenant, sous pas rien du tout, ou pas gain force, ou pas gain prestige,
ou pas gagne entente la caillou, ou pas gagne stabilité politique, ou pas gagne autorité de légitimité. Et bien, laissons son véritable débandade pour qu'on fasse ça là avec. Maintenant, le Premier ministre Henry est critiqué. Et 20 mois au pouvoir, la situation sécuritaire s'est dégradée. Et accord 11 septembre, l'IVIN transformé en 21 décembre avec d'autres signataires, mais encore une fois, des partenaires internationaux estimaient que le consensus n'est pas encore large, donc pour encourager le dialogue, le Premier ministre a annoncé récemment un chita palais entre haïtiens qui signataire ou non de l'accord 21, moun ki vle, pour parler de politique, sécurité, élection, et les parler de utiliser mon pour aller dans l'élection rapido presto. Maintenant, vous souhaitez évoquer là, et l'accord 21 décembre a indiqué qu'il faut pouvoir remettre le 7 février 2024 à de nouveaux élus, donc objectif yo pas patène. Et si objectif yo pas patène et nous dans la situation ça, comment voir le Premier ministre sa situation et ça nous a le faire finalement par rapport à ça, alors que le temps passe et nous avons une sensation que les vrais problèmes ne sont pas abordés dans leur complexité, dans une volonté réelle de trouver des solutions, mais M. Paul. Bon, le problème qui est, nous ne sommes pas capables de faire un dialogue. Là, nous avons fait un dialogue. C'est dialogue. Tout le monde a fait ce dialogue. Dialogue à qui est et qui est. C'est-à-dire que si nous faisons un dialogue ou nous faisons un accord, il faut un accord capable de résoudre un problème. Je prends un exemple. Côté d'un accord 21 décembre, vous faites n'importe quel autre accord aujourd'hui. Si l'accord n'a pas résoudre le problème fondamental de l'insécurité, eh bien, c'est comme si vous ne faisiez pas un accord parce qu'il faut que l'accord concerne la population. Si l'accord n'a pas résolu aucun problème politique, eh bien, il n'y a pas bon au sérieux. Parce que ça qui a passé, je dis, véritable protagoniste dans la crise haïtienne, ce sont les étrangers. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Parce que pour un accord qui a une valeur, il faut que yo reconnaître l'accord. Vous comprenez, c'est qu'on s'allie malheureusement. Eh bien, c'est pas un accord vraiment entre haïtiens. C'est ça qui fait depuis quelque temps. Et il n'y a pas qui a passé dans le pays. Il y a un processus pour que peuple haïtien pas fourré boucher dans l'affaire politique pays d'Haïti ou bien peuple haïtien, pas gain poids réel sur ça qui a passé dans la politique pays. Politique pays a lui fait deux côtés, il fait à travers des accords, des groupes d'accords, des groupes qui soit en accord sous pouvoir, soit ils sont en accord dans l'opposition, parce que je veux dire, ce ne sont plus les partis politiques, c'est la dynamique des accords, c'est les accords qui comptent. Soyons encore au pouvoir, soyons encore à boumer pour le mine sous pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Et c'est quoi un accord? Et c'est quelque chose pour nous poser. Est-ce capable de gérer un pays sur la base des groupes de citoyens qui entendent conjoncturellement sous mon mécanisme? C'est pas ça, société aïe. Ou bien soit blanc décidé, lui faire le monde, lui dire mais qui est-ce qui l'a donné, mais qui est-ce qui pas l'a donné. À ce moment-là, il gagne toute opportunité pour décider à quoi ça va bon, à quoi ça va bon. L'appui à quoi ça, le pas appui à quoi ça, et tout le monde tout prête le flanc, tout le monde qui font un corps, premier ça l'a cherché, c'est adhésion blanc, c'est support blanc, etc. C'est dans ça nous y est. Ça veut dire que gagne un gros problème réel de ça qui a passé dans le pays. Moi-même, m'a fait un commentaire sur un texte, yon mon écrit, et c'est monsieur Dalancourt, Patrice Dalancourt, qui c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale. Monsieur est content que c'est un parti qui est intéressé dans le texte, monsieur. Alors, le texte-là, ma fond parenthèse, ma ferme, un peu son allusion à tous les gagnants, soit fait, livre folie qui invite le général Avril, il y a un monde qui est d'accord, il y a un monde qui n'est pas d'accord. Bon, moi, un monde qui n'est pas d'accord, il y a un monde qui est d'accord. Et puis, monsieur Dalancourt pose une question, il dit, bon, monde qui se passe sous pouvoir, il y a une obligation, il y a un compte. Mais les gens qui passent sous pouvoir tout, qui gagnent la voix au chapitre, qui combattent le pouvoir, ils ont un bilan pour faire tout le travail. C'est ça que je dis à fond, on est très prudent. Moi, je reconnais ça depuis quelques temps, très prudent dans ça, m'a fait, parce que collectivement, on a une certaine responsabilité dans les gens qui ont dégradé. C'est facile pour nous contester. Mais au-delà de contestation, qui contribution concrète n'a pas été, non, bagaille qui a dégradé, qu'on ne conteste pas dégradé pour la dégrader. Et m'a fait mes parenthèses là rapidement avec un commentaire, moi je ne toujours pas le football. Dans la compétition sportive, si je prends football, équipe à jouer dans tel club, etc. Mais tout joueur ça, qui vient de faire l'autre, il y a des fois, il y a une réunion dans la sélection nationale, il y a une sélection nationale. C'est la sélection nationale qui compte.
nous-mêmes dans le pays d'Haïti, au-delà des divergences, des différences, bon côté pour nous former sélection nationale pour défendre l'intérêt pays d'Haïti, d'abord pour le peuple haïtien, ensuite, sous j'en ai parlé, j'en ai négocié, j'en ai discuté avec étrangers, aujourd'hui, nous n'avons pas de plan pour nous parler à personne. Monde qui souligne que c'est pour le ministre Ariel Henry qui problème là, il a aucune volonté. Si aucune raison, que monde qui dit tout pour le ministre Ariel Henry, il peut être prisonnier de ses alliés et de ses accords connus ou non connus. Moi-même, je ne sais pas courir dire ça facilement comme ça. C'est parce que je me suis dit même bagages pour l'autre monde avant. C'est même bagages. Okay. Ce sont répétitions, les mêmes bagages. Qu'on y a ma question, est-ce une bien garantie sur retirer le ministre Ariel Henry de dire mettons l'autre monde et puis attitude là pour le changer. Et m'pas dit pour le ministre Ariel Henry a géré pays à mal parce que résultat est pas bon. Nous constater comme nous on pas gagner net seulement pour ta battre bravo pour lui pour dire bon mais maintenant comment vanter là tu gagne même bagarre là gagne l'autre monde était vite pendé c'est au même petit problème. Mais est-ce que son fatalité le monde n'a géré pas bas résultat et pour nous kembel parce que nous dit bon nous ca tomber dans mal. Est-ce que son fatalité non mais qui est-ce qui kembel là tout qui est-ce qui te mettait le qui est-ce kembel. C'est la première question. Je dis à nous, on va Kembele la guerre. Donc, c'est ça qu'on t'a dit, vrai protagoniste, c'est l'international, c'est ça? Bon, oui, mais c'est exactement qui monde qui Kembele, qu'est-ce quel est le mécanisme? En société, est-ce qu'on a levé au matin, nous faisons, on a voué au monde, fait des ordres, craser ça, gagner, pour être tout le monde qui est sous pouvoir, il faut qu'on j'en monte, qu'on j'en retire l'état de droit, c'est ça lié maintenant. Si mon nan, c'est pas nous qui mettez, c'est pas nous Kembel, c'est pas nous qui retire. C'est de ça nous y est là. Aime pas parler de vous, ministre Ariel Henry. Seulement, m'a parlé de réalité politique pays depuis des années. Vous comprenez? Et mon qui prend décision, qui mette, qui retire, qui supporte, comment va là-bas? Bon, c'est pas eux, c'est haïtien qui pas capé. Ok. Et nous prêter le flanc. Je comprends. Ma dernière question concerne ou même ou indiqué que vous faites 6 ans d'exil à des périodes différentes et vous évoquez bastonnade dans le mois d'octobre 1991 au niveau de l'aéroport international dans la période les jours d'après le coup d'État du 30 septembre. Il y avait eu expérience ça, même des timons, des petits, peut-être des 11 ou 12 ans, d'avoir regardé les matchs à la télévision et prisonnier de la Toussaint avec Figou, Tuméfié, etc. Et nous connaissons qui était gain une condamnation et un procès et qui était fait à l'étranger contre monsieur Avril nous connaît ou même et où tu prends des positions où tu dis bon même on pardonner et aujourd'hui et sa désignation et comme invité d'honneur à Ivan Folio tu avais évoqué là monsieur Dalancourt là c'est de sali et le fond de la question et quel est l'historique de cette affaire, comment elle arrive, comment elle finit, et M. Paul. Alors bon, c'est la politique haïtienne. Quand il y a un problème, tout le monde connaît, prisonnier là, tout ça qui est passé, ma spine, un bagaille, un bim non pied, un monté, non escalier, écrasé, côté, mettez limon briquet, mettez flamme dans tout le monde, frappez dans les testicules, etc. Et bon, moi-même avec l'autre collègue, Marino Etienne, Jean-Auguste Mézieux, etc. Jean-Auguste Mézieux, me salue mémoire. Li. Et maintenant, l'MT vient pour te plaindre en Haïti. Parce que je suis en plainte en Haïti, il va l'occuper. Et Fondou pour l'histoire. Sous qui gouvernement m'a voté plainte là, c'était sous propre gouvernement PAM. C'était sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, m'a voté plainte. Mais il va l'occuper, vous comprenez, il va l'occuper. Parce que tu as commencé à avoir une rivalité politique. Ils ont pensé que bon bah gagne d'après régler soit on a besoin visibilité on a besoin écho bah et comme ça et puis ils ont pas occupé plainte là ils ont fait une vague sous plainte là et puis bon comme une vague sous plainte là bon ça on a qu'à faire bon nous même tout nous résignons nous après ça il y a des organisations des droits humains qui internationales qui contactent moi qui dit moi il a fait un mécanisme pour yo porter plainte contre général Prosper Avril qui était vivant à l'étranger et c'est ça que c'était qu'on l'état à l'étranger donc j'ai couru en Haïti
gon procès civil qui fait ça, les procès civils là, les types. Il va mettre en prison, mais il prend des sanctions contre tout, etc. Il était condamné pour le payer 20 millions de dollars de dédommagement. Bon, maintenant, moi-même, personnellement, je ne suis pas d'accord avec moi pour ça. Bon, je me dis que je ne vais pas faire politique là pour me faire riche, pour me chercher faire cob sur le monde, etc. Je ne vais pas dériver, je suis victime de lui. Maintenant, je ne vais pas faire un cob. Ça ne veut pas dire que tu as 20 millions de dollars. Moi, je suis un avocat qui dit moi. Et si que ou bon pouvoir, ou à bon 40% dans le cob là, m'a besoin quelque chose à côté de cob, si c'est petit, il fait 1000, etc. Et puis, cob ça, yo, ma promotion, ma promotion. Bon, moi-même, moi, pas d'accord, et m'étais convaincu l'autre collègue, moi, yo, tout, qui était obligé, qui était rallié à position, non. Et finalement, général Avril, t'es venu un problème, t'es venu dans la prison, nous ont arrêté, lui. Yo m'a demandé pour me venir porter plainte, me dit pas jamais fois pour mon cachet. Bon, pas quoi, si il y a un autre problème, il a résolu avec lui, résoudre lui, ça qui s'est passé, il a pris son délit, il est passé. Et maintenant, il était gagné, il était fait un geste, il connaît tout ça. Il était fait parce que il était capable de soit ruiner, faire au prince Kaïdi, faire bagaille comme ça, il n'a pas rentré dans la baïda. Et il était bon, il y a une lettre d'excuse, une lettre, bon, pas qu'on n'est pas. Est-ce qu'il y a une lettre d'excuse? Une lettre quand même, il était fait la part des choses pour dire qu'il n'est pas responsable personnellement, il regrette ça qui s'est passé. Bah on s'est carré les alertes d'excuses et l'été m'a dit moi ça le capable de faire me dit bon bon mon dédommagement symbolique l'été bon mon dédommagement symbolique $1 américain mais malheureusement c'est pas lui qui a parlé de ça m'a pas capable de prouver parce que le 8 avril 2000 le jour des funérailles de Jean Dominique était bougé local qui était dans le numéro 14 de Camille Lyon et dans le bureau moi-même j'ai tout document ça yo boule yo parle encore mais comme général Avril est vivant pas qu'on ait intérêt pas mentir sur lui il y a monde qui connaît histoire c'est ça la vérité alors il y avait une condamnation civile d'un tribunal aux États-Unis pour dédommager les prisonniers de la Toussaint et environ 20 millions de dollars américains mais comme ça pas de bail moi même particulièrement pas de fucking démarche des comme ça parce que pas estimé qu'on capable payer moins pour quoi me décasser pour toute une relation de dépôt. Maintenant, Monsieur Avril, après expérience ça, les prend plumé, les écrit qui regardent sur le livre noir de l'insécurité et d'autres titres de Monsieur Avril et de cette orientation. Bon, maintenant les écrit, bon, il a dit que c'est un choix d'écrire, les gens, ces citoyens, les écrit. Bon, maintenant, mon agent doit apprécier ça l'écrire, mon agent doit rien par rien ça l'écrire. Mais il fait partie de communauté mon qui a produit réflexion, etc. Toute réflexion mon produit, pas même pas là. Maintenant, ou pas capable de dire, il pas écrire parce qu'il écrit livre. Maintenant qu'on y a qui ont considéré ça, est-ce qu'on a dissocié de ça été fait? Sans question de regard. Bon, par exemple, des gens te dit le fait que il était associé dans Batmoun dans bail comme ça que il pas gain droit écrivain. Et est-ce que il pas gain droit citoyen encore? C'est des questions pour nous ta poser. Bon moi prend la position de monsieur Dalancourt et faut me moins d'accord avec lui. Il y a en profondeur, parce qu'il y a tellement de problèmes fondamentaux. Bon, moi-même, ma opinion, pas me penser, monsieur, à vous payer pour ça, c'est faire le prendre en prison, même si c'est pas moi qui te mettais dans la prison, bah, comme ça, et pour l'histoire, ma baille une anecdote. L'aile, c'est lui qui t'a décidé, le 7 février 1990, et bien, il m'a fait une déclaration, il m'a dit, général Avril, bon, en prison, non, état difficile, côté m'été, il y a pas bon, et, des fois, j'ai 3 mois, et, non, cellule, qui était parmi mes meilleures cellules, dans le pénitentiaire national, à l'époque. Et puis, mais qui était dans une situation difficile, m'dit, bon, général, la position que ce pouvoir, je dis, ah, m'ta souhaité, ou faire réparer lui, parce que pas, j'aime qu'on ait. Et puis, m'a pas de bouche cabrit, là, où vient arrêter le sous-gouvernement, j'en vais traiter, même cellule, côté m'été, il y a, c'est la théorie. Alors ça c'est anecdote, c'est pour l'histoire, mais l'histoire sont pas qu'à répétition comme ça. Alors moi-même, moi pas voulu entrer dans rivalité ça, yo, pas pour aller signer aucune pétition pour me dire que général Avril pas participer ou bien pour participer, parce que je pense que même des droits mon tour, yo, bah opinion, yo, pour faire débat, yo. Même penser que tellement je dis à
nous avons des bagailles rares qui réussissent, nous trouvons livre folie à son réussite. Et comme son espace intellectuel lié, il faut qu'il y ait une contradiction là-dedans, il faut qu'il y ait une contradiction parce que le livre folie a les compatis politiques. Et il faut qu'il y ait toute qualité de monde. Et comme de fait, il y a toute qualité de monde là-dedans, je regrette que tout le monde qui fait autour de livre folie, que moi-même, je considère comme une union meilleur bagaille qui réussit dans le pays pendant 25 années qui sont passées. Mais même t'as souhaité, appel moi, c'est protéger l'espace livre folie en dépit de contradictions. Hein, pas moyen livre folie, même si nous avons un problème avec le général Avril. Maintenant, dernière question, PM, comment vous avez avenir pays nous, à court, moyen et long terme? Je vais montrer pour 101 000 parce que je me déborde déjà sur les histoires. Oh, avenir pays, il y a les noms haïtiens. Moi-même, je ne vais pas décourager, non? Je ne vais pas décourager, non, je ne vais pas décourager du tout. Je ne vais pas décourager, je ne vais pas désister, je ne vais pas démissionner. Sauf que je ne vais pas au devant de la scène, tant qu'avant. Mais moi, ma bonne dernière opinion rapide, c'est de manière partisane, vous le résoudre. Et ça me va expliquer de façon rapide. Très souvent, on parle de consensus. Consensus, c'est un bagage antidémocratique. C'est un bagage pour tout le monde d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord, un bagage comme ça, un bagage provisoire. C'est des mondes qui d'accord, qui pour mettre ensemble, pour monter force, pour mener un pays à notre direction. Même si nous avons deux forces, trois forces, quatre forces, mais c'est force pour nous construire. Suspendre fait si vous coupez, si vous d'accord, si vous entendez, si vous communiquez, que nous mettez garçons, mettez femmes sous nous, nous dit bon, en attendant nous, monde qui a une même vision, qu'au journaliste, même si le journaliste, ou qu'a fait politique tout, ou économiste, ou qu'a fait politique tout, ou qu'a fait bon politique. Je pense que c'est force de manière partisane pour nous gagner force qui prend pays en main. C'est ma vision de la réalité. Que parti politique, que c'est noir, yo, deux, trois, mettent ensemble, ils font un vrai parti politique. Je ne dis pas qu'on seul parti politique. Même penser que n'a pas son épreuve là, n'a pas sorti parce que gain prise de conscience, gain monde qui ouais gens grave, me penser gain compréhension tout, et me penser tout nous-mêmes dans Magique 9, nous contribuer le fait que nous bonne la parole matin, chaque matin gain courage pour nous venir parler, ba on nous venir courage, venir ressources pour faire ça. Me féliciter nous pour ça. Moi-même moi pas me penser que n'a pas passé épreuve, n'a pas sorti et n'a pas sorti avant longtemps. Mes amis, ou remè pays ou, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que ce Chanel parle là, pour qu'à bien informer avec Yann.